Allô tout le monde, bienvenue pour les nouveaux et welcome back pour les real. Aujourd'hui, je vous amène avec moi à la librairie. Cette vidéo va être un petit vlog, je suis bien excitée. Aujourd'hui, on est le 6 septembre et c'est la sortie d'un livre en paperback que j'attends depuis un petit moment. Je vous amène avec moi, on va aller regarder c'est quoi les livres qu'ils ont en librairie en ce moment. On va aller au Indigo de Montréal, Trust à Montréal. Pas mal ça, je suis bien excitée. J'espère que vous l'êtes aussi. Puis c'est parti! Outfit of the day. Mes petits Converse, jeans. Hein? Bien, avec mon chandail non négociable. Mon tote bag du marché à Twitter que ma soeur m'a acheté. Puis on est ready! On y go! I love it with my whole heart, even if it's that big. I love it.
got the goods. So excited. Now let's go home. Le livre que j'étais essentiellement partie acheter aujourd'hui, c'était A Court of Silver Flames de Sarah J. Maas. Miss Sarah, c'est une brique. Une brique. J'ai lu le premier et le deuxième tome, mais vous voyez, c'était la sortie aujourd'hui. Enfin en paperback, parce que la sortie en hardcover, ça faisait un petit bout qui était sorti quand même. Mais vu que j'avais les autres en paperback, je voulais le tome en paperback. Il était même déjà sorti en français, ok? But I was waiting, parce que je voulais que ça fitte avec le reste de ma collection. So, it does now. Ça fait encore partie du monde de A Court of Thorns and Roses, mais c'est une nouvelle trilogie que Sarah J. Maas a commencé sur la sœur du personnage principal qu'on suivait dans la trilogie initiale. J'ai entendu des bonnes comme des mauvaises choses sur ce livre, mais je préfère me faire ma propre idée parce que, I mean, moi je vais peut-être l'aimer ou pas, ça va dépendre. Le livre est juste magnifique. Il y a comme un détail de plus sur la tranche que les autres n'ont pas. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de suivre Nesta, la sœur de Farrah, puis voir elle et Cassian, parce que dans le tome 2, Cassian, là, so yes. Oh wow, il y a ma belle assiette en arrière, je viens juste de remarquer. L'autre livre que j'essaie d'aller chercher, c'est encore une fois une nouveauté. C'est pas la date de sortie aujourd'hui, mais ça fait pas très longtemps qu'il est sorti, et c'est Love on the Brain de Ali Hazelwood. J'ai lu The Love Hypothesis récemment. Hypothèse amoureuse en français, je pense. J'en connais plus ou moins sur cette histoire. Bref. C'est un peu le même vibe que The Love Hypothesis, comme une petite romance cute. Puis c'est encore dans le monde de la science, sauf que au lieu d'être à l'école, maintenant c'est dans un workplace type of thing. Bi, la personnage principale, va avoir une offre d'emploi pour travailler pour la NASA. Puis je pense, don't quote me on that, mais je pense que ça va pas être le poste qu'elle pensait que c'était. Puis elle va travailler avec Levi, qui est quelqu'un qu'elle aimait pas tant que ça ou whatever. Puis là, c'est ça là. C'est ça. Enemies to lovers? Je pense que oui. We like that. Something like that. Quand je vais l'avoir lu, je vais pouvoir vous l'expliquer hein, d'une façon. Voilà. Donc, c'est tout! J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un thumbs up. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez lu un de ces deux livres ou un que j'ai montré pendant que j'étais à la librairie? Est-ce que vous avez vu votre livre préféré? Je sais pas. Dites-moi tout ça en commentaire. Si jamais vous voulez en voir plus ou savoir my thoughts sur les livres que j'ai achetés, n'hésitez pas à vous abonner. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!